Et bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer toutes les bases du craft C'est une vidéo qui se veut de vulgarisation euh, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails Mais je veux donner euh, toutes les informations pour commencer à crafter un petit peu sur Last Epoch Vous avez dû entendre euh, à droite et à gauche euh, que c'est un système de craft incroyable bah, C'est peut-être le moment de vous expliquer pourquoi Alors tout d'abord avant de rentrer dans les détails, il faut qu'on pose les bases Les bases c'est euh, bah, les raretés et l'itimisation dans Last Epoch vous pouvez looter un item blanc, mais ça, on s'en fout, Item blanc, on n'en aura pas besoin, d'accord On passe de euh, magique à rare, à exalté, à unique. Et on finit par légendaire. Ça, ce sont toutes les raretés disponibles sur les objets dans l'ast époque. Pour, euh, comment dire, faire passer un item de bleu à jaune, il suffit qu'il ait trois affixes. D'accord? La différence entre un item bleu et un item jaune, c'est le nombre d'affixes. C'est-à-dire qu'à partir de trois affixes, vos items deviennent jaunes. La différence entre un item jaune et un item violet, c'est que ces affixes, il y en a au moins un qui est tiers 6. Les tiers, cest veut dire quoi? Évidemment, c'est les tiers, ça commence à 1, ça monte à 7. Plus le tiers est haut, plus la valeur est haute. Par exemple, là, le critical strike chance, qui est à 71%, c'est du tiers 6. Alors là, ce que vous voyez, le, le, les tiers affichés, il suffit d'appuyer sur contrôler ALT in-game pour s'apercevoir de ce que c'est. Maintenant, première chose à dire les... c'est pas parce que l'item est violet qu'il sera forcément meilleur que votre item jaune. Ça veut simplement dire qu'il y a un des affixes qui est tier 6. C'est tout. C'est la seule chose. Euh, par exemple, vous voyez bien que sur mon équipement, j'ai encore des items qui sont jaunes. Parce que je n'ai pas trouvé d'item qui me semblait meilleur pour le moment sur le personnage que ces bottes-là. C'est triste, je sais, mais c'est comme ça. Euh, donc, ne vous fiez pas à c'est violet, donc je dois l'équiper. Non, ça marche pas vraiment comme ça en fait. C'est violet, donc il y a un affixe T6 ou T7 sur l'item. C'est comme ça que ça marche. Bon, très bien. Ceci étant dit, l'item violet, comme je le disais, donc il a un affixe tiers 6. Ok le truc, c'est que les affixes tiers 6 et tiers 7, vous ne pouvez pas les crafter. Je commence par là. Vous ne pouvez crafter que des affixes qui vont jusqu'au tiers 5. Voilà. C'est-à-dire que les affixes tiers 6, il va faudra les looter. C'est l'intérêt. Vous allez partir en chasse au loot pour ces items avec un affixe tiers 6 qui vous plaît. Très bien. Les autres affixes, vous pouvez les créer ou les modifier jusqu'au tiers 5. Ok Comment ça marche le craft dans Last Epoch? Le craft dans Last Epoch, il y a une partie où vous allez euh, extraire des matériaux ou looter des matériaux. C'est tout ce qui est là en fait. C'est tous les, tous les shards que vous voyez, tous les fragments que vous voyez, c'est les choses que vous allez looter ou extraire. Je parlerai de l'extraction un tout petit peu après. Grâce à ces shards que vous avez extraits ou lootés, vous allez pouvoir euh, modifier l'objet. Par exemple. Pour cette euh, amunette de jade, on a ce qu'on appelle un potentiel de forge. Forging potentiel, d'accord Ce potentiel de forge va être plus élevé avec, euh, comment dire, la rareté de l'objet. Par exemple, si votre objet vous l'avez looté en bleu, son potentiel légendaire sera moins élevé que si l'objet vous l'avez looté en jaune, et ça sera moins élevé que si l'objet vous l'avez looté en exalté directement parle de ce chiffre là. Ok. Donc grâce à ce potentiel légendaire, vous allez être autorisé à faire des manipulations dessus. Par exemple, je peux là augmenter, parce que c'était proposé, hein, là j'ai pas assez instinctif au final. Hein. Là c'était proposé à petite pièce, ça me dire qu'on veut augmenter de tier 4 à tier 5. La fixe de résistance nécrotique. Très bien. Ça, si je clique dessus, sans rien. C'est marqué, ça va me coûter entre 1 et 24 de potentiel de forge. Ok? C'est random, mais non, c'est un rôle. C'est-à-dire, ça peut me prendre un seul de potentiel de forge, comme ça peut me bouffer tout mon potentiel de forge. Très bien. Je peux également, sur cet objet, créer un nouvel affixe de mon choix. D'accord? Un préfixe. Donc là, vous voyez, à gauche les préfixes, à droite les suffixes. Donc là, parmi tout ce que j'ai, je pourrais lui mettre un crit multiplier, je pourrais lui mettre un col damage. Je peux choisir en fait parmi les chartes que j'ai déjà. Okay Donc, en plus de tout ça, vous voyez bien qu'actuellement, j'ai un seul préfixe pour deux suffixes. Tous les objets peuvent avoir deux préfixes, deux suffixes. D'accord Vous pouvez faire apparaître, si vous le désirez, un préfixe supplémentaire. Ça, pour ça, il faut utiliser les glyphes et les runes. Doucement doucement, 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 on va y doucement. On va revenir d'abord à ce que je disais sur ces affixes-là. Une fois que votre potentiel légendaire est à zéro, vous ne pouvez plus toucher l'objet. Par exemple, euh, si je prends cet objet-là, je crois que c'est celui-là. J'ai encore deux. Mauvais exemple. Si je prends ces bottes-là, mauvais exemple. Bref, j'ai encore du potentiel légendaire, j'y peux rien. J'ai pas un truc. Voilà. Par exemple, cet objet-là, sur lequel j'ai déjà crafté, même si ma physique à résistance n'est que tiers 4. Je n'ai aucun moyen de la faire monter tiers 5 actuellement parce que je n'ai plus de potentiel de forge sur l'objet. Ok. Ça marche comme ça. Donc déjà, il y a une gestion du potentiel de forge sur les objets que vous craftez. C'est beaucoup plus facile de crafter sur un objet qui est exalté que sur un objet qui est jaune. en tout cas de pousser le, pousser le craft. Bon. Maintenant, il faut que je vous parle de toute cette interface de forge déjà commencée, mais il y a deux choses euh, dont il faut parler euh, avant d'aller plus loin. Un les glyphes et deux, les runes. Commençons par les glyphes. La, la première glyphe la plus importante, c'est la glyphe of hope. La glyphe of hope, c'est quelque chose qui vous donne 25% de chance de ne pas dépenser de ce potentiel de forge. Ça veut dire que peu importe l'opération que je fais, à partir de là, j'ai 25% de chance que ça ne me prenne aucun potentiel de forge. C'est ça que ça fait la glyphe of hope. Glyphe of chaos, ça c'est une glyphe qui est intéressante, c'est une glyphe qui dit soit... La fiche que vous allez sélectionner va être upgrade, soit il va être modifié de manière aléatoire. Par exemple, là, si j'utilise ma glyph of chaos sur mon void damage, qui est tier 1, si je clique, le void damage va soit augmenter tier 2, soit être modifié. Voilà. Là, mon void damage a été modifié en poison damage. Ça, ça sert à ça, la glyph of chaos. Glyph of order. Ça, c'est une glyph qu'on va beaucoup moins utiliser. C'est quelque chose qui permet simplement de reroll euh, les chiffres en fait. Euh, c'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu moins utilisable. Par exemple, là vous voyez, j'ai un euh, poison damage de 17%. Okay. Je peux euh, reroll la range. C'est-à-dire que là j'ai un 17% sur 21. Grâce à ce truc-là, je vais pouvoir reroll la range du poison damage. Si j'utilise ça, ce qui va se passer, c'est que le, le 17% va changer. Et en plus monter, Alors, il y a toujours ce truc, ça va monter et le changer. Pardon, j'ai oublié de le dire. Quand vous allez utiliser, ça va upgrade le truc et changer la range. cest que là, on était à 17%, donc j'ai pas trop regardé. Mais la range, là où on est placé dans le poison damage, ça a changé. C'est comme ça que ça marche. C'est un truc qu'on n'utilise pas très souvent pour être honnête. Glyph of Disperse, ça par contre c'est beaucoup plus utilisable. Euh, je vais essayer d'utiliser ça sur un objet un peu plus intéressant. J'ai pas un tiers qui traîne. Voilà. On va mettre là-dessus, peu importe, voilà. La Glyph of Despair, c'est un truc qui dit soit vous allez upgrade la fixe, soit vous allez le sceller. Sachant que plus le tiers de la fixe sélectionné est bas, plus vous avez de chances de le sceller. Alors ça veut dire quoi le sceller J'espère que ça va marcher. Hein si je clique dessus, j'ai une bonne chance que le Minion Damage se retrouve en bas complètement scellé. S'il te plaît le jeu, RNG. Voilà, easy. C'est vraiment facile ce jeu. Quand... La fixe est scellée. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous ne pouvez plus toucher à ce chiffre-là. D'accord À aucun moment, le T2 million d'amage, vous allez pouvoir le modifier. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a libéré une place où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. C'est à ça que ça sert. Enfin, euh, la dernière glyphe. Je ne l'ai jamais eu, je ne peux pas vous en parler. Démerdez-vous. Voilà, désolé, hein, je, sais, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous parler de tout ce que je ne sais pas. Je me dis juste que si après 150 ans de jeu j'en ai pas looté, c'est que pas très important que vous sachiez à quoi ça sert pour le moment. Euh, rune of Shattering et Rune of Removal et toutes les runes de manière générale. Alors, là on va rentrer dans les choses un petit peu plus euh, sympathiques, j'ai envie de vous dire. Déjà, 1, hein, la Rune of Refinement qui permet de reroll les valeurs de tous les affixes. Franchement, je ne m'en suis absolument jamais servi. Donc, je vous dirais que ça sert pas à grand chose dans l'état. En tout cas, dans l'utilisation. Rune of Shattering et Rune of Removal, par contre, ce sont deux runes assez essentielles. Elles ont des fonctions qui sont différentes, mais qui se, qui se recoupent un tout petit peu. Si je prends une, si je mets une Rune of Shattering là-dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va casser l'objet, et je vais avoir une chance de, une chance de récupérer des shards, des affixes qui sont là. Attention, vous n'allez pas récupérer de manière automatique tous les shards que vous voyez là. D'accord? Typiquement, la rune of shattering, c'est quelque chose qui vous sert au tout début d'un personnage à vous construire une banque de shards, d'affixes. D'accord? Typiquement, au début, vous allez avoir des objets qui ont des affixes qui vous intéressent. Pour vous, ce soit des PV, des trucs évidents, en fait. Les points de vie, euh, l'armure, les choses comme ça. Vous allez pouvoir shatter l'objet et récupérer des affixes. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que il y a une autre méthode pour récupérer les affixes qui est la rune of removal. La rune de retrait, en français, va vous permettre, grâce au potentiel de forge, de retirer les affixes et de récupérer à 100% le char en question. Et en plus de ça, vous allez récupérer plus que ce qui, si vous faisiez une simple rune of chattering. shattering. d'accord? Donc, c'est quelque chose qui, en termes de ressources, est souvent sous-estimé mais vous permet de retirer plus de bons affixes si vous avez un bon affixe que vous, dont vous voulez vraiment le shard vous, vous êtes vraiment intéressé pour récupérer le shard je vous conseille d'utiliser la rune of, la, la rune de retrait plutôt que la rune de fracassement ok ceci étant dit l'autre rôle de la rune off removal c'est parfois de gamble un tout petit peu qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si jamais vous avez un objet qui à l'air intéressant, je vais prendre, je vais prendre ça, euh, pas celui-là, pas surtout pas celui-là. Je vais prendre cet item là comme exemple. Cet item là, je me dis, oh ça serait vraiment bien quand même si je pouvais me débarrasser de la, de la, de la rune, de l'affix pardon, de régène par seconde. Si jamais l'objet est intéressant mais pas non plus complètement dingo que vous avez la volonté de gamble un peu, vous pouvez utiliser la rune de removal dessus. Ok. Je vous conseille de donc mettre une glyph of hope. Parce que comme ça vous avez une chance de ne pas utiliser le potentiel de forge. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va vous retirer un des trois affixes aléatoirement. Vous avez donc 33% de chance de retirer le bon affixe. Vous avez également 33% de chance de virer l'item T6 qui serait une catastrophe. Et 33% de chance de retirer cet affixe là qui est un petit peu moins important. D'accord Donc en gros, vous avez 33% de chance de briquer l'objet. Vous avez 33% de chance de faire un truc cool. Et vous avez 33% de chance de dire Rien. On est parti Et là, quand vous avez du talent, il se passe ça. Non, bon, ça. Voilà, faut du talent. Là, ce, qui, ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai libéré l'affiche qui ne m'intéressait pas pour mettre exactement ce que je veux derrière. Vous voyez Donc là, il faut du talent, vous n'avez pas de souci rêver, N'urlez pas devant votre, votre écran. Et n'essayez pas ça chez. Si essayez ça chez vous, mais je ne vous garantis pas le résultat à chaque fois. Vous, vous allez en briquer des items. Hein. Euh, donc là, par exemple, si je continue ce craft, je peux me dire, bah ok, bah, maintenant, peut-être que je peux mettre, je ne sais pas, des PV sur, euh, sur l'item. Et c'est un truc comme ça. Peut-être que je peux mettre des PV sur l'item parce que ça m'intéresse plus. C'est pas ce que je veux, mais c'est juste pour le, pour le truc. J'ajoute la fixe, bim. J'ai des PV. Et maintenant je peux mettre autre chose. Par exemple, je voudrais mettre de l'endurance dessus. Et bien je peux mettre de l'endurance dessus si je le désire. Bim. Et là du coup je me retrouve avec un objet qui, mine de rien, est pas si mal en fait. Hein. Si on upgrade le tout, si on va au bout du crash, il faut châter un tout petit peu quand même. Parce que je n'ai plus que 15 de potentiel légendaire pour vraiment avoir de la chance. Il va falloir euh, que euh, je proc plusieurs fois la, la, la glyphe. Chose à savoir, vous pouvez faire une réussite critique sur les upgrades. Ce qui fait que c'est très important de dévoiler toutes les glyphes avant de commencer les upgrade. Parce que maintenant, quand je vais augmenter ma glyphe de point de vie, j'ai une chance d'upgrade un, une autre, euh, pas ma glyphe, mon affixe de point de vie. J'ai une chance d'upgrade également d'autres affixes. J'espère que ça va arriver parce que j'ai du talent. S'il vous plaît. Par contre, là, j'ai réussi le 25%. Mon potentiel de forge, il n'a pas baissé. Voilà. voilà. Bon, quand on a du talent, on upgrade également d'autres trucs. Là, par exemple, en upgradant la, euh, la fixe de points de vie, j'ai upgrade également la chance de choquer. Et, et en plus de ça, j'ai retapé le 25%. Là, il faut beaucoup de talent. Hein. Mais ça, ça va vous arriver. Hein, vous... Peut-être, en tout cas. Hein. Voilà. Alors là, j'ai pris que deux potentiels légendaires. Parce que c'est pareil, j'ai un 2 sur 24 ça va vous arriver, ça va également vous arriver de tout de suite descendre à 0, hein, mais tranquille quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. Là par exemple, j'ai pas eu de chance, j'ai roll un 11, et là vous avez compris, je continue par là, et j'ai fini mon craft là. Malheureusement, parce que je n'ai pas eu de chance, euh, j'ai pas réussi à monter tous les affixes en tiers 5. Mais là vous avez tout le côté un petit peu prenant du craft, c'est que quelquefois vous allez briquer des items, quelquefois vous allez faire des dingueries, quelquefois vous allez avoir de l'achat de 5 fois de 8, et ça, c'est le vrai côté assez prenant du craft de last époque. Là, au final, je me retrouve avec un item qui est... Whatever, c'est pas un item de Endgame. Mais ma foi, si vous avez ça au début, c'est pas si mal en fait. Ok. Donc ça, c'est toute l'essence du craft en fait. Euh, dans les autres runes, quand même, dont, dont il faut que je parle, euh, la première, c'est la rune of Discovery. Alors la rune of Discovery, prenons cet item bleu. Je vais vous montrer à quoi ça sert. La rune of Discovery, c'est quelque chose qui va vous permettre de directement. Découvrir, c'est ça? Adrandonia. Euh, ouais, c'est ça. Ça va, ça, va me, ça va me remplir les slots, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai mes deux affixes qui ont pop. Ça, c'est très utile sur votre premier personnage. Vous avez looté un item bleu. Vous avez looté une rune de discovery. Vous mettez l'item bleu. Vous balancez ça, vous avez deux nouveaux affixes. C'est pas mal quand vous faites du leveling. passer ça, franchement, quand vous arrivez dans les monolithes, quand vous arrivez dans les endgames, pas trop. Franchement, ça sert pas à grand chose. Mais bon, mon item bleu est passé en item jaune. Mon item jaune a les affiches. Je peux commencer à m'amuser à faire ce que je veux avec. Maintenant, euh, Rune of Shaping, reroll les implicites. Ça, alors, ça peut servir, mais je m'en suis pas encore servi. Ça va, ça va me permettre de reroll le chiffre qui est tout en haut. Le 15% increase melee attack speed. Alors, ça serait un peu con de le, ouais. Le 15% increase melee attack speed, je peux le reroll. Et le 8% se attack speed, je peux le reroll. Admettons que je suis intéressé par roll le throwing attack speed, pour toucher un truc beaucoup plus haut, je peux tenter de faire ça. Donc là, mon 8% et le 15% vont changer en haut, si je dis pas de bêtises. Voilà, on est passé à 6 et 10%. Voilà, ça sert à ça, cette, cette rune. Franchement, j'en suis pas beaucoup servi. Je pense que c'est un truc pour affiner ses crafts en endgame, ça. Rune of Ascendance, ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup spammer. Souvent, dans les builds que vous allez suivre, euh, on va vous recommander, on va vous dire, vous avez besoin d'un unique. Bien. Cette rune, ce qu'elle permet de faire, euh, c'est que vous prenez une base d'items, par exemple, votre, votre unique recherché, c'est une dague. Okay, vous dites, bah, moi j'ai besoin de dague pour, euh, pour mon build. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez mettre une dague ici, alors peut-être pas avec ça, peut-être si je vais le faire avec ça. Hop. Vous pouvez mettre une dague ici, n'importe laquelle, elle peut être blanche. Hein. Elle peut être blanche, bleu, jaune, ça n'a aucune importance. Hein. Euh, vous mettez une rune est ce, ce qui va se passer, c'est que ça va transformer l'item en item unique. Cet item unique peut avoir du potentiel légendaire. Si vous ne savez pas ce que c'est le potentiel légendaire, il faut aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai ça juste derrière. Je clique, je vais avoir une dague unique. Ou de 7, évidemment, j'ai pas de chance. Ou de 7. Alors, quand, quand vous prenez un objet de 7, c'est généralement pas une bonne euh, nouvelle. Mais je vous garantis, vous avez également des uniques. Hein. Et il faut il faut me croire, hein, sur parole. La rune de création, ça c'est quelque chose euh, d'ultra endgame qui vous permet littéralement de copier votre item. Si vous avez un item, vous le copiez. Ça va vous servir quand vous allez avoir un objet avec un tier 7, un affixe tier 7 très rare euh, que vous souhaitez dupliquer. Mais pff, ouais, je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois. Et la rune de recherche, ça c'est un truc qui est très spécifique. Dans les monolithes, euh, vous... je, crois que... je crois que vous en avez aussi dans la campagne, mais peu importe, dans les monolithes, vous avez des prisons d'Arcane, je crois que c'est des prisons runiques, ça s'appelle. Et dedans, il y a un mob spécial, un mage runique, un mage je sais pas quoi, qui loue des items spéciaux. Ces items spéciaux ont des affixes, ça s'appelle des affixes expérimentaux. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de sceller un affixe expérimental d'un item comme ça. C'est Endgame. Prenez pas trop la tête au début, c'est du Endgame, ça. Midgame, Endgame. Vous n'avez en avez pas besoin. Dès le début. Maintenant, tout ça c'est dit. Ce qui est quand même la grosse base. Hein. Il y a des choses dont il faut se rendre compte. Il y a des affixes qui sont plus rares que d'autres. Pourquoi c'est important de dire ça Parce que les affixes de classe, par exemple, vous voyez là, cette affix qui s'appelle chance to apply par charge. Tous les affixes de classe, de manière générale, sont assez rares. Ce qui veut dire il faut prêter très attention à ces affiches là et pas hésiter à les désenchanter à utiliser les runes, euh, les euh, à utiliser les runes de chasseur, mais surtout les runes de removal pour récupérer les charmes. Très important, ça euh, par exemple. Là, voyez-moi cette chance sur la place par charge. J'ai fait deux sessions de trois heures, j'ai jamais, j'ai jamais touché. C'est vraiment ça peut être vraiment rare en fait. Ça peut être très, très, très chiant euh, à toucher. Ce qui me permet de vous dire aussi. Euh, que, à partir du moment où vous avez compris ça, il n'y a, a, a pas que les affixes de classe d'ailleurs. Il hein. y a quelques affixes bien spécifiques qui sont un peu plus rares, notamment les affixes d'hybrides de point de vie, comme celui-là, le troisième affixe que vous voyez là, ou les affixes d'armure, certains affixes de réduction de dégâts, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais surtout, retenez ceux de classe. Parce qu'il y a un truc que vous pouvez faire assez facilement. C'est si jamais il y a un affixe de classe qui vous intéresse beaucoup, je vous conseille de passer par votre filtre, d'accord et de rajouter une ligne qui ressemble à ça. Par exemple, là, vous voyez, moi, j'ai une ligne dans mon filtre qui a isolé l'affixe dont j'avais besoin pour me l'afficher correctement. Pour pas que je le loupe si ça tombe. D'accord? C'est là que le filtre de loot et le système de loot filter va beaucoup vous servir dans Last une fois que vous aurez identifié ce, que vous, ce dont vous avez vraiment besoin. Si au début, vous n'en savez rien, vous inquiétez pas, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous manque un truc. À ce moment-là, c'est là, là qu'il faudra faire fonctionner le loot filter. Ok, donc là je pense que je vous ai expliqué le gros de la forge et des crafts. Maintenant, la vraie question c'est, ok, Nib c'est bien cool, mais en NDM, moi je veux les items tout rouges. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les items tout rouges On m'explique des items légendaires, des LP, là tu m'as expliqué que la base, moi je veux les items de fin de jeu, comment je fais Il y a deux façons de procéder, on va dire. La première c'est d'obtenir de, de, un objet qui a ce qu'on appelle la Weaver's wheel donc la volonté de l'utilisateur, je sais pas ce que c'est en français. Je crois que c'est Weaver's wheel Bref, c'est un objet où c'est marqué entre parenthèses Weaver's wheel Je, je crois que j'en ai plus malheureusement, euh, qui ne sont, sont pas XP. Mais en gros, c'est un item qui a marqué Weaver's wheel 15 Weaver's wheel et un chiffre. Ce qui va se passer avec ça, c'est qu'il y a toute une collection d'objets. C'est anneaux, gants, il y a une relique de classe et je crois qu'il y a bottes. 1, 2, 3, il y a 4 objets différents qui ont des stats qui sont identiques, des lignes, des affixes qui sont toujours identiques. C'est-à-dire que là, tous les gants, euh, of the erased ont les quatre affixes pour les melee damage to IS enemy, euh, more spell damage, c'est les mêmes choses. Si je vous montre les 3 gants, c'est les quatre mêmes lignes. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, ce sont des items que vous avez, que vous allez XP. C'est-à-dire que vous allez les porter et ça va vous dévoiler des affixes en plus. Les affixes que vous voyez en rouge. Là, vous voyez bien que les affixes qui sont en rouge sur ces gants, cette paire de gants-là ne sont pas les mêmes que les affixes rouges qui sont sur cette paire de gants-là, etc., etc. Le chiffre qu'il y a derrière Weavers Wheel va vous permettre de savoir le nombre de tiers qui vont être dévoilés. C'est-à-dire que si vous avez un Weavers Wheel 13, si vous additionnez les tiers des affixes dévoilés à la fin, vous obtiendrez 13. Par exemple, le plus haut... Euh, Weavers Wheel que vous pouvez avoir, j'imagine que ça va être 28, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 4 affixes de tier 7. Donc Weavers Wheel, c'est extrêmement puissant, vous pouvez avoir des trucs vraiment très très bons en fait. Hein. Moi je vous conseille, dès que vous allez looter un objet avec Weavers Wheel, surtout au tout début, portez-le, faites-le faites, faites XP, regardez si les stats vous intéressent, mettez-les de côté. Donc, ça c'est la première façon de tenir les objets légendaires. Vous pouvez avoir des dingueries. Hein. Euh, et en plus de ça, je trouve les items très bons. Euh, genre là moi j'ai un double anneau comme ça, je trouve ça exceptionnel pour mon build. Il y a probablement un meilleur, mais euh, je suis très content d'avoir ce, ce duo là. Maintenant, pour obtenir les vrais gros légendaires qui piquent, on va dire ça comme ça, il faut combiner un unique et un item exalté, comme j'ai dit avant. Il faut un unique avec des potentiels légendaires et un item donc violet. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin de potentiels légendaires pour pouvoir Imprimer les, des affixes de votre item exalté. Si j'ai un potentiel légendaire 2, c'est-à-dire qu'il y aura deux affixes aléatoires de cet item violet qui seront imprimés sur mon item unique qui deviendra tout rouge. J'insiste, c'est aléatoire, d'accord Ce qui veut dire que généralement, ce qui se passe, c'est que votre item violet, vous avez un ou deux affixes que vous souhaiteriez vraiment voir imprimés sur l'item unique. Ça, c'est le côté gamble, c'est le côté RNG du craft. Dans la cette époque en fait le, il y en a il y en avait avant les RG vous l'avez bien vu mais ça c'est le côté un petit peu qui peut être frustrant en fait vous pouvez c'est pas briquer l'objet parce que l'objet sera toujours meilleur que ce que vous aviez avant mais vous pouvez vraiment avoir des différences assez démentielles entre deux objets rouges d'accord là par exemple si j'arrive à, à appliquer le lightning blast ainsi que le chance to apply spark on charge sur le casque mon casque il sera god tier en tout cas pendant très longtemps si malheureusement je touche seulement le Critical Strike Evidence et la Necrotic Résistance. Ça va pas bien. Ça, ça va être beaucoup moins bon comme casque, d'accord? Ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi que il faut faire très attention à ce que vous faites de vos objets qui ont des potentiels légendaires. D'accord? Parce que un potentiel légendaire de 1, c'est relativement commun. Alors attention à ce que je veux dire, ça dépend également de l'unique. Hein. Il y a des uniques qui sont évidemment plus rares que d'autres. Mais il y a des uniques qui sont relativement communs. Un potentiel légendaire 1, sur un casque comme celui-là, franchement, je le slam tous les jours, je ne me pose pas de questions en fait. Parce que je veux dire, slamez-le, n'ayez pas peur d'utiliser, de faire ce que je vais faire là euh, pour tenter un truc. Par contre, à partir de potentiel légendaire 2, faire quand même attention à, à ce qu'on slame dessus, parce que c'est pas tous les jours que vous allez looter un potentiel légendaire 2 sur un item. D'accord Quand on parle de potentiel légendaire 3, là, il faut pas se presser. Hein Et quand on parle de potentiel légendaire 4, non, en fait, ça n'arrivera pas, vous n'en aurez pas parce que c'est extrêmement rare. Donc euh, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Donc évidemment, vous comprenez bien que vous avez un potentiel légendaire 4. Ça vous permet d'imprimer les 4 affixes d'un coup à votre item. Ce qui est complètement cassé. C'est comme si vous portiez les deux items, quoi. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement comment, comment ça marche et surtout vous expliquer comment vous le faites, ce craft. Pour faire ce craft, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire temporel. Sanctum temporal je crois en français ici. Là vous allez avoir une rencontre. Je vous laisserai découvrir exactement ce qu'il faut faire. Il y a un boss, il faut battre le boss. Une fois que vous avez battu le boss, vous vous retrouvez dans cette salle. Une fois que vous êtes dans cette salle, vous allez pouvoir mettre l'objet unique d'un côté avec un potentiel légendaire et l'objet que vous voulez fusionner de l'autre. Okay Donc là je vais cliquer. J'ai eu la chance toute la vidéo. S'il vous plaît, faites en sorte que je ne brique pas l'item. Ça me ferait vachement plaisir. 3-2-1, let's go. Et là vous dites... Il est où l'item? Parce que la première fois, je me suis dit, il est où l'item? Et en fait, la surprise, il n'a pas disparu. On ne vous l'a pas gobé. faut changer de dimension. Et là, c'est la surprise. Euh... Je l'ai à moitié brique. Je <laughs> l'ai à moitié brique parce qu'au final, j'ai eu. Bon, j'ai eu au moins un des, un des deux préfixes. Ça va. Mais j'ai eu probablement le moins bon des suffixes. Et j'ai eu le moins bon des préfixes, en tout cas. Mais bon. Mon item est devenu rouge. Il est. À moitié bien quand même. Je viens quand même de gagner plus 3 lightning blast et 75% d'une crise spell damage par rapport à ce que moi j'avais. Donc j'ai vraiment amélioré mon item. Maintenant ça va parce que Peak of the Mountain, c'est pas l'objet le plus rare. Après en LP2, c'est pas, pas si commun que ça. Donc euh, je suis moitié content. Hein, mais ça va, on va pouvoir se démerder avec ça. Donc ça marche comme ça, le craft euh, de l'astépoque. Epoch. Un truc donc il faut que, que, que je parle aussi, c'est comment identifier. Euh, les bons exaltés et un petit mot aussi sur les bases alors quand je dis identifier les bons exaltés c'est comment savoir quels sont les bons affixes tier 6 et tier 7, bon, en fait c'est très très simple c'est très souvent des préfixes c'est très très souvent des préfixes parce que vous allez avoir des préfixes à base de bah, justement lightning blast des, euh, des préfixes à base d'attack speed des préfixes à base de critical c'est généralement c'est généralement en préfixe en fait. En suffixe, il y a beaucoup de survie, je trouve. C'est des seuils d'endurance, c'est des points de vie. Alors après les hybrides de points de vie, c'est vraiment très très fort par exemple. Mais généralement tout ce qui est en suffixe c'est de, de la déf du défensif, tout ce qui est en préfixe, c'est de l'offensif. D'accord Moi c'est c'est pas toujours vrai, c'est pas une règle qui va s'appliquer 100% du temps. C'est quasiment c'est quasiment toujours comme ça, ça ressemble beaucoup à ça quand même à chaque fois. Donc euh, je vous dirais que le, le plus important, les plus importants restent, à mon humble avis, les gros préfixes tier 6, tier 7, il faut les mettre de côté. Mettez-les de côté parce que même si l'item il est pas bon, et si vous trouvez un item relativement commun avec LP1, vous pouvez le slammer en fait. En tier 6, hein, tier 7, il faut faire très attention. Mettez-le de côté le tier 7. Hein. C'est juste un tiers 6, vous pouvez le slammer sur un LP1 commun. D'accord LP1, donc je rappelle, hein, les, les objets comme ça qui ont du LP, etc. etc. Par exemple, euh, par exemple, la Dragorace Clo. En LP2, Dragoras Claw, c'est un item qui est relativement commun, mais je sais qu'en LP2, c'est pas c'est pas si simple quoi. Hein. Donc là, par exemple pour ma Dragoras Claw, j'ai un item qui pourrait s'appliquer, mais j'aimerais beaucoup m'offrir la chance d'avoir euh, un affix tiers 6 ou tiers 7 sur le plus important pour mon build qui est l'Attack Speed. Vous voyez le l'affix que vous voyez de Melee Attack Speed. En fait, je pourrais tenter le craft là, je pourrais le faire ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup me donner la chance de d'avoir le la le, bis au moins un affix bis sur la la dragoras Là, là si je l'utilise maintenant les aspects c'est pas qu'ils sont pas bons c'est qu'ils sont pas bis donc ça m'embête un petit peu de le tenter dessus donc je vais pas le faire si j'avais une dragoras Claw 1 et juste une 1, franchement je le ferais j'en ai une là d'ailleurs mais je veux pas je vais pas il, faudrait, il faut refaire le sanctum à chaque fois pour faire le craft vous voyez cette clo là c'est vraiment quelque chose que je vais faire euh, après sur mon stream c'est je peux très bien essayer de slamer ça sur ma Dragoras Clo LP1. Par contre la LP2, je vais essayer de faire attention à comment euh, comment je fais le craft en fait. Et je, ce que je disais sur les bases, un truc qui il faut absolument pas sous-estimer dans vos crafts et dans les items, dans l'optimisation de manière générale, les implicites. Donc je vous rappelle les implicites, parce y a, par exemple là c'est le 29% de critical strike chance, là c'est le spell damage, là c'est le 30 d'armure. Les implicites, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant et qui va souvent déterminer si c'est un objet qui est bon pour votre classe ou pas. D'accord Ce qui me permet euh, de euh, parler d'un truc rapidement pour faire écho un tout petit peu, ça va faire écho à une prochaine vidéo. Un truc sur lequel vous devriez faire très attention pendant vos crafts, c'est sur vos spells, j'ai juste, euh, juste un mot là-dessus, sur vos spells, il y a ce qu'on appelle des tags. Là, c'est marqué « scaling tag ». Littéralement, ça veut dire c'est les stats qui sont importantes pour vos spells. Donc regardez vos spells, regardez vos sorts, regardez les tags qui sont sur vos sorts, et ça va vous donner des indications sur quels sont les affixes qui vont être bons pour votre build, et ça va vous permettre de mettre de côté et ou de DES, enfin de DES donc d'extraire de, les shards qui sont importants pour vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des choses les plus importantes. Pour euh, mettre le pied à l'étrier pour le craft. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite euh, beaucoup de chance, plus de chance que moi encore. Hein, et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça sera probablement sur les spells en question. Bref, je, je ne sais pas exactement. Il y aura une prochaine vidéo sur cette époque. Je vous dis euh, avant la sortie en 1.0. Je vais essayer de continuer à vous aider, à vous repérer dans le jeu.